et vous présenter les nouveaux programmes de la occasion de voir vos Je viens de croiser Mélissa Torrio. Ça m'intéresse pas, moi, les choses comme ça. Vous savez, la sexualité, c'est derrière moi, tout ça. Elle est où quand même? Attends. Ah non non non. Alors non c'est moi. Non non c'est moi. Ah, non 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 non. Non non non. Pierre-Mathieu. Non non non. Je suis là depuis plus longtemps. Attends. Non. Je dois lui chanter une chanson. Je dois chanter ça. Mais... Alors je la chante très mal. Non mais je vous offre encore mieux. Julien Clerc qui la chante. C'est pour vous Mélissa Torrio. C'est de l'amour que je donne comme ça. Mélissa Métisse d'Ibissa. Mélissa Métisse d'Ibissa, on te l'a fait 100 fois. Ça, on l'a fait. 100 fois, on lui a fait. T'as pas un truc un peu neuf? Alors, moi, j'avais envie de poser des questions beaucoup plus journalistiques, hein, des choses de fond. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de question de fond, s'il vous plaît? Une question intelligente, quelque chose d'important? Je boirais bien un café, moi, par contre, avant. Si mais bien, bien sûr, un café. Alors, Arabica, Tosca. Bon, laissons Mélissa et Jérôme faire connaissance autour d'un café. Nous, pendant ce temps, on va en apprendre un peu plus sur le nouveau visage de Zone Interdite. Parler d'appréhension mais d'excitation là vraiment c'est vraiment une émission constructive, c'est-à-dire qu'on va non pas dans les clichés pour réexpliquer une situation mais essayer de l'aborder sous un autre angle, d'être dans les dessous et d'avoir des personnalités qui s'expriment rarement. Je découvre vraiment le plaisir de se poser, d'approfondir un dossier. L'envie qu'on a c'est d'aller réellement à la rencontre de ceux qui nous ont permis de faire ces sujets. Le plateau va devenir plus rare ici et les extérieurs, la rue, les urgences, les palais de justice seront peut-être davantage notre lieu de tournage d'émission. Et je trouve que c'est un tournant constructif et du coup, j'ai qu'une envie, c'est que ça démarre. C'est l'heure de la séance photo officielle, un cliché très important qui sera remis à l'ensemble de la presse. Tous les mauvais points pour Magloire qui rate la photo de classe. Heureusement, M6 est rempli de bons élèves. Soyez Véro, dis-moi, je pensais à un truc, petite. Tu fais quoi, là? Parce que l'été, t'es à la campagne et tout, mais après... Je suis désolée, ça va pas être possible.